Je m'appelle Manon Amiguet, donc je viens ici en tant qu'herpétologue pour faire les inventaires des reptiles et amphibiens pour cette mission. Il y a des variations de coloration un peu. C'est un groupe en fait qui réunit toutes les espèces d'amphibiens. Donc dans notre cas à Madagascar, ça va être beaucoup de grenouilles. Et les reptiles, donc là on va être dans les serpents, caméléons, lézards et geckos par exemple. C'était vraiment l'expédition un peu unique pour n'importe quel naturaliste passionné et qui a envie d'aller regarder un peu ce qui se passe dans un massif qui est quand même un super îlot de biodiversité à Madagascar. En plus, on risque de découvrir des nouvelles espèces à tout moment avec une grosse équipe d'autres scientifiques, donc c'est hyper formateur et je pense que ça apporte énormément. Quand j'ai feuilleté le bouquin, j'ai dit c'est celui-là que je veux voir. C'est donc il y a un serpent qui s'appelle Langa madagascarensis. Donc on a la femelle qui est là avec un fort dimorphisme sexuel et puis le mâle qui est ici. C'est un serpent qui est fascinant quoi, et qui est hyper mimétique et c'est vraiment une super donnée intéressante pour le massif du Macaï parce qu'il n'y a pas eu de données de cette espèce-là encore. Tu peux mettre longueur, ouais. Tu peux mettre 17 ans. Tu peux mettre narine, bout du rostre. Je sais pas comment t'écris ça. 18,5. Donc voilà, des espèces qui est... ouais, qu'on est content de voir, vraiment.